Saviez-vous qu'aux États-Unis, un homme noir n'a pas le droit de marcher dans le quartier des Blancs? Ah oui, c'est une réalité. On a ici une histoire très intéressante d'un jeune homme, un jeune afro-américain qui marche dans le quartier, se promenant, et derrière lui, regardez, il y a une personne qui se pointe avec une voiture et veut sortir son fusil pour le tirer dessus. Pourquoi? Parce que ce jeune, d'après lui, ne vit pas dans le quartier. Donc ce jeune était en train de marcher, un bout de chemin, un matin, et puis subitement, il y a des Blancs qui marchent derrière lui et lui fait la pression. Et il y a un Blanc, certainement conservateur, aux Amériques, qui sort de sa voiture, tire son flingue, si vous regardez, et il y a son pote qui l'arrête, hein, qui le stoppe parce qu'il avait envie de faire des dommages. Bon, suivons la vidéo. On y va. Imaginez-vous en train de marcher dans le quartier, quelqu'un vient derrière vous et dit « Alors ça va mon pote, trois personnes derrière toi, qu'est-ce que tu fais ?» Moi je me dirais d'abord, une partie de moi, la partie soft de moi dirait « Ouf, on a un problème là !» Et la partie dure de moi va se mettre en position de bagarre, hein. c'est la guerre qui commence. « Ça va mon pote ?» Attendez, ça va pas ? Suivant. Le monsieur lui dit « Ça fait quatre fois que tu marches autour de ma maison. » Lui dit « Non, je ne marche pas autour de ta maison. » C'est vrai, je suis peut-être parti une fois, deux fois ou trois fois, mais je ne marche pas autour de ta maison. Ça, c'est la rue. La rue appartient à l'État. Ce n'est pas ta propriété privée. Ce n'est pas à toi de me dire ou de déterminer qui marche dans les rues. Et ce n'est pas de notre faute que ta maison à toi, de manière coïncidente, est justement devant la rue de l'État. Suivant. Tu vis ici ou tu ne vis pas là? Tu vis ici ou tu as peut-être un ami qui vit ici? Le petit lui dit, je ne suis pas devant ta maison. C'est toi qui me suis. On le suit comme un animal. On le suit comme à la chasse. Il dit « I'm part of the neighborhood ».« I'm part of the neighborhood » veut dire « je fais partie de la communauté » ou « je fais partie du quartier ». Lui dit « tu fais partie du quartier », c'est-à-dire que tu vis ici ou quoi? Attends, il n'est pas obligé de te répondre. T'es pas la police. Attendez, c'est pas la police. C'est ça le profiling. Cette discrimination évidente et claire. Alors ton visage, certainement c'est à cause de ses cheveux. Hein, regardez les cheveux, son hoodie. Directement, on pense que bon, c'est un criminel, c'est un voyou, un bandit. Ou peut-être pas, c'est un noir. Voilà, ça suffit pour emmerder la vie d'une personne. Suivant. Le mec lui pose la question de savoir, tu vis ici ou tu es en train de visiter un pote? C'est simple. C'est comme si on lui devait... Hein, on lui devait des réponses. Tu vis ici ou tu vis... pas possible. Il dit, tu fais peur à ma femme. Il dit, attends, brother, j'ai rien fait à ta femme, moi. Tu vois un peu? Donc, ça a commencé de, je suis en train de marcher, le gars est en train de marcher dans les rues. On l'emmerde, ok? On le dérange. Et ça s'est transformé à, tu es en train de faire peur à ma femme. Et lui qui dit, je n'ai rien fait à ta femme. Vous voyez comment ça déplace? C'est comme ça que finalement, la finalité, on dira, ah, il faisait peur à nos femmes, ou à nos enfants, ou il a été, machin. C'est toujours ça, c'est bon. Il dit, je pense que je peux marcher dans mon quartier. Le gars d'ici, tu vis ici. Oui. You gonna keep asking me the same question over and over and over and over and over. This man following me. This is harassment, right? That's harassment, right? Il dit c'est de l'harcèlement, n'est-ce pas? C'est de l'harcèlement, suivre quelqu'un sans son autorisation, dans l'objectif de lui mettre de la pression, le faire sortir du quartier ou le pousser hors du quartier. C'est de l'harcèlement. Et ça devrait être punissable par la loi, n'est-ce pas? Mais bon, en fait, aux États-Unis, c'est pas toujours celui qui a raison. Aux États-Unis, c'est généralement l'avocat que vous prenez. Si l'avocat que vous prenez coûte cher, il a une très belle réputation, il ne perd presque jamais ses procès, il y a de fortes chances, si c'est cet avocat qui est pris contre vous, il y a de fortes chances que vous perdiez.
OK? Même le procureur, même si le procureur sait que ce que vous avez fait pourrait être justifiable, on va vous mettre en prison même si vous aviez raison, parce que le procureur ne peut pas oser perdre son palmarès. C'est-à-dire, au lieu de perdre son palmarès, au lieu que sa cote diminue en termes de gains et de victoires en procès, il préférait te noyer même si tu n'avais pas tort, mais que sa cote reste le même. C'est ça les États-Unis d'Amérique pour vous. Moi, je ne veux plus aller vivre aux États-Unis. Plus. Finito. J'ai fait ma part, c'est fini. Je préfère aller vivre en Namibie ou quelque part au Malawi ou aller danser toute la nuit en Ouganda, aller peut-être au Kenya, c'est dans les gens super. Ou en Afrique du Sud, vivre une belle vie et tout le bazar. C'est l'Europe plus beaucoup de choses par-dessus le marché que d'aller vivre aux États-Unis, je ne le ferai pas. Absolument pas. Les Américains eux-mêmes sont en danger dans leur propre pays. Suivant. Donc plusieurs minutes plus tard, 10 minutes après, on était toujours en train de le suivre. Il dit, j'en ai marre. Arrêtez de me faire chier. Ok? Et c'est clair, vous savez, ce jeune homme, c'est un petit. C'est encore un bébé. On peut voir son visage, on peut voir par ses expressions, son habillement. Il est encore jeune. C'est un petit. Il a peut-être moins de 22 ans, moins de 21 ans. Et je dois avouer qu'il était très calme pour ce genre de situation dans lequel il est embourbé. Certaines personnes auraient déjà perdu la tête. Ah, yeah, ah, je vois des bang bang, tu vois. Lui, il est calme. Ah, le gars de la voiture qui sort avec la voiture avec son fusil et oh là là, il va tirer. Il va chercher son fusil. Oh là là. De nulle part. C'est-à-dire de nulle part. De nulle part. Et son pote l'arrête parce que voilà. Des conservateurs. C'est genre, parmi eux, il y a des gens qui sont... Enfin, bref. Le petit se rend pas compte combien il était très en danger, sa vie. Eh ben, voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi le monde a besoin de la Russie. OK? Ouais. Le monde a besoin d'équilibre. Parce que c'est un peu comme ça que les États-Unis traitent le reste du monde. Clair et simple. C'est comme ça qu'on traite les Noirs américains, mais c'est un peu comme ça que le pays traite le reste du monde. Bullying. Voilà pourquoi le monde a besoin de la Russie. Pour l'équilibre de force. Imaginez-vous, vous vivez dans votre propre pays. Okay? Dans un pays où vous êtes né et vous n'avez pas le droit d'aller dans certains quartiers. C'est vrai, on se moque des Sud-Africains et tout le bazar, mais c'est malheureux. Ok. En réalité, ce qui s'est passé, il y a un texte écrit par sa mère. Elle disait, ça faisait un moment qu'ils étaient là, qu'ils avaient acheté une maison dans ce quartier, et son fils était parti faire un appel téléphonique puisqu'il y avait des difficultés de réseau à la maison. Alors, il a décidé de marcher pour parler à sa copine. Certainement, il ne voulait pas que sa mère entende leur conversation et tout le bazar. Tout à fait compréhensible. Et pendant qu'il faisait, vous savez, quand vous marchez en parlant au téléphone, sans vraiment... des objectifs précis ou une direction, destination précise, vous pouvez faire des va-et-vient, n'est-ce pas? Et alors, c'est apparemment en faisant cela que ces gens, donc quatre personnes, quatre hommes, mâles, blancs, ont suivi ce garçon pour essayer de l'en... Voilà. On lui a mis la pression, l'un d'eux, malheureusement, est allé au point de retirer son machin pour essayer de le pao-pao. Et heureusement, pour ce jeune homme, parce que aux États-Unis, on va inventer n'importe quoi. On allait prendre le téléphone balancé par-dessus bord, on n'aurait jamais vu ces images, il n'y aurait jamais eu rien. C'est ça la vérité. Parce qu'à plusieurs reprises, chaque jour, les Noirs aux États-Unis sont arrêtés parce qu'il a une belle voiture, on l'arrête, on lui dit « tu partais beaucoup trop vite », on lui demande ensuite de sortir son driver's license. Pendant qu'il cherche son driver's license, on lui parle, disant « voilà, il était en train de chercher un fusil ». Non, pourtant, tu lui avais dit « cherche ton driver's license ». Comment il va faire? Aujourd'hui, les gens disent, non, ok, tu veux quoi? Ton driver's license, mais je peux pas prendre ça parce que voilà, il y a des gens qui refusent de prendre le driver's license, la licence, comment vous appelez ça? Le permis de conduire. Parce qu'ils savent que c'est ça l'objectif. Aussitôt que tu mets ta main là-bas, on tire. Ça, c'est aux États-Unis d'Amérique, en 2024. C'est choquant, c'est bouleversant, c'est inquiétant dans ce pays. Moi, je n'irai jamais, je ne vais plus aller vivre là-bas, je ne le ferai pas. Je suis désolé, avec tout l'amour, c'est un pays merveilleux qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup grandi, qui m'a beaucoup servi, mais je ne peux pas aller vivre là-bas. Je n'irai pas.
C'est pour visiter, d'accord. Vivre, non. Malawi, Botswana, voilà, Ouganda, Kenya. La vie est belle. C'est tombé. Merci infiniment, les amis. Toujours avec beaucoup de... Ah, la langue de Molière ici, c'est compliqué. On a une nouvelle chaîne, Mokassons TV. Allez vous y abonner, d'accord. God bless.